Si est-il un texte qui a ému Vianney aux larmes. Mais outre l'émotion que son texte a pu engendrer, le slam Mon chéri, dans lequel Tariq se met à la place d'une mère prête à avorter son fils, a aussi ulcéré de nombreux anonymes. Et pour cause, le mouvement pro-vie a sauté sur l'occasion et n'a pas hésité à faire de cette composition un nouvel hymne, jugé culpabilisant par plusieurs téléspectateurs, pouvant le représenter. De passage sur le plateau de Quotidien, ce mardi 25 mai, cependant, le demi-finaliste de The Voice s'en a dit plus sur son propre avis au sujet de l'interruption volontaire de grossesse pour dissiper toute ambiguïté. Je suis un jeune slammeur de 21 ans, un homme, donc je n'ai pas du tout la prétention de me positionner, de donner des leçons aux gens, a-t-il déclaré lorsque Yann Barthès l'a questionné. Tariq le souligne, il voulait juste raconter une histoire parmi des milliers d'autres. Et ce, en se mettant donc à la place d'une femme. De l'empathie naît la tolérance et si est-il important de se mettre à la place des gens. Reste à savoir si ses détracteurs seront convaincus par cette explication. Preuve de son succès malgré les critiques, le titre Mon chéri est désormais disponible en single. Le comble, Tariq a même signé un contrat chez Universal. Tariq a provoqué la colère des internautes, les critiques à son encontre ont été virulentes sur les réseaux sociaux. En découvrant le slam de Tariq le 13 février 2021, de nombreux internautes, pour la plupart, des femmes, sont montés au créneau. Mais si est-il qui ces gars qui parlent de l'avortement comme si ça se passait dans leur camp, a ainsi déploré l'activiste Marguerite Stern. Et d'ajouter, arrêtez de tout ramener à vous. L'avortement est une affaire de femme. Pour une autre téléspectatrice, le texte de Tariq n'était ni plus ni moins un texte dangereux, culpabilisant pour les personnes souhaitant avoir recours à une IVG. Si vous pouviez arrêter de donner une conscience à des fœtus, si vous pouviez arrêter de narrer l'avortement comme un trauma, si vous pouviez arrêter de nourrir l'imaginaire anti-avortement, a développé un autre anonyme.